Depuis que le Sarg Zaruf a installé son ermitage dans le désert de Hénini, on voit des petits groupes d'hommes, des embryons de caravanes se diriger le long des pistes du néant vers la tente grise dont la toile palpite au vent du désert. Tendons le Xarg Zaruf pourra-t-il recevoir les pèlerins venus l'entendre? Dans quelques instants, mon maître va paraître. Il prend son bain de poussière et se rince la bouche avec du mâche-fer. Et aussitôt après, vous pourrez lui baiser la barbe. Ah! D'où vient que nous soyons si nombreux aujourd'hui? C'est que le Xarg Zaruf a demandé à tous de venir aujourd'hui pour la révélation. La révélation? Oui, la grande révélation du secret. L'heure a sonné où les babus doivent apprendre la vérité. Mon maître a décidé de vous initier aujourd'hui. Oh, nous brûlons de savoir! Malmani! Je vous quitte. Il m'appelle. Malmani! Me voici, maître. Malmani! Mouche inutile et paresseuse! Corneille bavarde et stérile! Donne-moi plutôt une épingle de nourrice pour attacher mon pagne. Je ne peux pas me présenter devant les fidèles attifés comme un épouvantail. Mon maître est toujours beau même sans épingle. Oui, je sais. Mais avoue qu'avec ce petit drapé sur la hanche, une de ses gueules... Oh, une gueule folle, oui, mon maître. Le Sarg Zaruf n'est pas n'importe qui, Valmani. Où sont les pèlerins? Ils sont dans la tente. Dans la tente? Tu te moques de moi? Buse, buzarde et buzoyante. Nous sommes seuls tous les deux dans cette tente. Non, pas dans la tente, dans la tente. Valmani, tu seras privé de désert. Mais non, maître. Je dis qu'ils sont dans la tente de vous voir. J'avais bien compris, pintade pouilleuse. Emmène-moi, sortons. Bonjour, mes amis. Mes fidèles amis. Vive le Sarg Zaruf! Je suis heureux de vous voir tous. Je sais l'effort que vous avez fourni, bravant la soif et le soleil, pour venir jusqu'à moi au cœur du Hénini, le désert du néant. C'est vous, fidèle Babu, vous que j'ai choisi pour la révélation du grand secret. Jusqu'à présent, vous pensiez tous, comme tous les babus du monde entier, que le grand babu, notre maître, avait confié son pouvoir au Conseil suprême, à ceux qui donnent les ordres du haut des tours de Yadupur, la capitale de notre Filékistan. Eh bien, je suis venu vous dire la vérité. Le Conseil suprême n'a plus la grâce du grand babu. Il n'a même plus le symbole de la puissance. Il n'a plus le goutte-gousse. Non! Car le boudin sacré, signe de confiance et de pouvoir, c'est un autre qu'il a. Non! Et cet autre, celui que notre maître a désigné pour le représenter, c'est le Sarg Zaruf, le prophète du désert de Hénini. C'est moi. Merci d'avoir écouté. N'oubliez pas de vous abonner, de nous suivre sur tous nos réseaux sociaux et pourquoi pas de nous aider financièrement.